Donc ça c'est l'avant. Et ça c'est l'après. Bon, encore une bonne heure de travail. Bon bah une fois tout poncé, hein, ça a quand même de la gueule. Ah, il manquait plus qu'à le vernir. Et je me suis niqué le doigt comme d'habitude, mais là on va attaquer ça en fait. Là c'est les joints, je vais les démonter, j'ai la tige. Tout nettoyer et les joints dépassent un peu, ils ont dû être un peu écrasés, je pense. Donc on va nettoyer ça là-dedans, comme d'habitude. Il y a des rouleaux dedans, donc on va tout dégueuler, tout dégraisser pour tout nettoyer correctement. Bon, il fait tellement moche que de base j'avais quand même prévu de le peindre, mais de lui mettre le coup de vernis qui va bien, mais ça attendra. Sûrement que je redégraisse tout, mais en attendant, donc du coup, on va s'attaquer à ces parties qui se trouvent être ici. Donc, il s'agit de cache joint, hop, métallique. Donc, on va nettoyer ça des deux côtés. Hop. L'axe est très bien. Je vais juste la. Il est bon. Ensuite. Oh, il n'y a pas eu un pet de graisse là-dedans. Le truc, il est complètement vide. Il doit y avoir de la graisse en fait. Bon. Un petit coup de graisse déjà pour remplir une partie du hop. C'était pour enlever tout simplement l'éventuelle graisse sale qu'il y avait, mais la graisse est propre, on voit peut-être pas, mais la graisse est propre. Donc maintenant, je remets l'axe, hop, en le mettant en tournant, hein. Ça commence à sortir de ce côté-là. En fait, c'est sorti par là. Du coup. Et hop. Le deuxième. Même chose, même nettoyage, même combat. Bon, j'ai foutu de la graisse partout. Je vous jure, hein.
dégraissage à l'alcool. En fait, j'en ai foutu partout. Bien serré, il n'y a pas de couple d'indiqué spécifiquement, et c'est pour ça que j'ai mis. Bon, l'objectif que j'ai là, c'est de le décrasser, hein, surtout. Il faut que je bouche les sorties et les entrées. Bon, alors je vous l'ai dit, l'objectif c'est pas de le nettoyer intégralement. Mais ça, bon d'accord, ça va chier. Égroulement. Ces éléments là, il faut les nettoyer, mais surtout les refaire. Et ils ont morflé, alors pourquoi ils ont morflé, mais ils ont morflé. Bon, j'ai nettoyé tant bien que mal le moteur. Il y a un ergot. Hop, hop. Ouais, je sais. C'est la bobine, celui-là. Donc forcément, ça a du mal à sortir et il y a un ergot. Changement du joint obligatoire parce qu'il est, mort. Donc là, il y aura un nettoyage à faire du joint, mais bon, ça, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas besoin d'être hyper étanche de ce côté-là. Hein. C'est sec. Protège. Ça, c'est le démarreur. Donc là, on va. Alors là, c'est pareil. Caoutchouc pour amortir le bruit. Non plus. Donc il n'y a que comme ça. Ah. Tout ça, c'est le démarreur. Donc là, on va enlever le carter qui est là. Ah non, c'est toujours du 8. Bon, il faut le retaper aussi parce qu'il est dans un sale état. Allez. Ah, le joint est mort aussi. Moi, je vais pas y toucher, hein, je vais juste passer un coup de nettoyage, changer le joint et refaire surtout cette partie là qui est quand même camorflée, tout en laissant le moteur brut, ce qui fait qu'on va avoir un bon contraste. J'aime bien cette, cette idée. Ici c'est un peu plus compliqué, là c'est l'embrayage. Allez, on y va. Donc l'embrayage, l'idée c'est de vérifier l'épaisseur des plateaux, l'écrasement des ressorts,
Alors bien sûr, hein, pour pas perdre l'ordre de montage ou de démontage, on les met que sur un petit carton. Si vous avez un, ça c'est les astuces de mécano de manière générale. Hein. Alors on va démonter ça aussi. Je sais pas pourquoi lui il a pris cher aussi. Voilà. Donc pourquoi je veux l'enlever, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a une petite fêlure ici, donc il est possible tout simplement que je la change, parce que je ne veux pas pouvoir la ressouder, je pense. Et comme c'est parce que pourquoi, parce que ça a été serré trop fort, tout simplement. On démonte l'ensemble. Et ensuite, on décolle avec le tournevis tout bien autour. Et comme il y a des tétons de centrage, il faut des fois revenir un peu d'un côté pour mieux repartir de l'autre. Voilà. Il y a de la merdouille, Ouh, bel embrayage. Voilà. Bon, ordinaire, il y avait le... J'avais le joint à changer. Là, là, là. Pareil, identique, donc on va les laisser à la galère. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, juste de le tapoter. T'es tombé, le joint, bordel, il est mort. Aussi, hein, c'est normal en même temps. C'est quoi qui m'emmerde là? Ah, waouh. Alors le joint du cache culbuteur, il est en bois, en papier métal. Il est bien collé et on voit qu'il y a des endroits quand même. Les endroits où il a bien collé, ça va, mais il y a d'autres. En fait, on a l'impression qu'il n'a pas fait trop son œuvre. Alors, les cocos, qu'est-ce qu'on voit ici? Pour ceux qui ne savent pas, cet ensemble-là, ici, là, c'est un arbre à cames. Enfin, ici, il y en a deux. On a... d'un côté l'admission, là, puisque c'est là qu'il y a les carburateurs, hein, et l'échappement qui se trouve là, donc ça c'est l'échappement. Okay, ici, on a la chaîne de distribution, qui est d'ailleurs un petit poil détendu, ça devrait pas, hein, devrait être tendu, mais faut faire tourner le moteur pour être sûr, logiquement elle doit se tendre. Globalement, c'est plutôt propre. Il y a de l'huile partout, ce qui fait que je sais que ça circule bien. C'est plutôt pas mal.